À soie rose et à robe noire. Est-ce qu'il y a une subtilité dans les demandes ou il faut juste prendre un rose et un noir? Bah noir, je pense noir, tout bêtement. Et après pour l'autre. Bah c'est C'est écrit celle qui à est à robe l'aise. noire. Non, il a craqué. Ah mais j'avais encore du pain en fait restant. C'était soit ça, soit je le jetais. Et j'ai fini la Vego, donc faut bien finir ça. Donc j'ai enfin goûté la nocciolata. Ah ouais, c'est beaucoup. Ah ouais, ça ressemble vraiment beaucoup plus à une Nutella là par contre sur la texture, c'est rigolo. On va voir, c'est si bon que ça. Ça fait je sais pas combien de temps qu'on me le vend la nocciolata. Vivement le 22. Salut à toi. Alors ils vont rajouter quoi? Tiens, ah mais je crois qu'ils ont fait un showcase d'ailleurs, enfin qu'on se regarde ça. Au pire quand Trail irait faire sa syncope, on se regardera les trailers et tout le petit showcase qu'il y a eu dessus. Hein. Sur le contenu qui arrive sur Sea of Thieves. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas... Ouais, y a pas mal de miettes. Pas mal du tout, notre gelata. Ouais, un caillou. On a... Non, c'est bon, Non, touche c'est pas. bon, imbattable. Hein. Il faut qu'on prenne les cages. Donc là, on est timé, donc on n'a pas le temps de faire la deuxième quête secondaire. Non, là on fait celle-là et on rentre. Allez, on a plein de beurre. Oh, ceci dit, c'est vrai qu'on est revenu à plein d'heures. Oh, ça c'est tentant. Ça dépend à quel Tu point sais est très tentant. bien qu'à chaque fois qu'on a été greedy, ça nous a pas réussi. Toujours bien greedy, comme avec les cryptos. Toujours bien greedy. Ouais. Attends, sur Plunder Valley, dans un autre âge, butin fut enterré en attendant partage. Au sanctuaire au crâne, près du pic le plus haut disparaîtra à la césure lorsque vous battrez la mesure. Ok. Tu préfères faire les cochons ou tu préfères la ligne, toi? Bah, on peut faire les deux en même temps en fait, hein. Prends ta cage à cochon et puis on va en haut de la montagne, on verra bien. Alors j'aurais fait ça plutôt dans l'autre sens, de répartir. Bon. Très bien. Ah, de toute façon, les cochons, pour les trouver, il faut qu'on se promène. Alors attends, j'en ai trouvé un là, mais il correspond pas à ce qu'on veut. C'est quoi déjà qu'on veut? Un noir et un. Un rose. C'est où? Ça? Putain, c'est où? C'est ça? C'est ça. Soit à soie rose et à robe noire. Noir, j'en ai déjà vu, ça va. Soie rose, ça me parle pas des masses. Hein. Soit rose, tout rose quoi, non? Enfin, je sais pas. Bon, peut-être que quand on le verra, on va. Quête marchand. Comment j'aime pas les faire? On découvre. Ah putain, full squelette. Bye-bye. Ah parfait, attends. Hop. Voilà. Plus de squelette. Et un petit baril de poudre. Bien obligé pour finir Athéna. Pas ce que c'est, mais pas de spoil, dans le doute. C'est pas mal la Nocciolata. Mais je sais pas si je préfère. Ça me fait un peu penser à Nutella pour le coup, hein, Nocciolata. Mais en plus fin, plus léger. Je pense que je préfère quand même celle que j'avais avant avec le côté crunchy. Crunchy, Alors, crunchy! je vois absolument aucun cochon. Hein. Je pense que c'est sur Discovery Ridge, moi, les cochons. C'était là qu'on avait vu plein. Ah, ok. J'ai vu des poules. Alors, j'en ai vu un de cochon, donc il y en a un, hein, mais. Bon, je continue de monter en attendant. Petite canne marchande en pleine fable. Bah, après, on est. Ah, cochon! Non là il est blanc il est blanc et marron celui-là. Allez, en plus évidemment à faire nuit comme toujours. La nuit c'est vraiment le pire ennemi, on voit que de chi.
Alors. On grimpe. Comment on grimpe en attendant? Structure du crâne. Le pieu disparaîtra. La césure lorsque vous battrez la mesure. Pour moi, il faut faire de la musique. Après, ouais, ouais, bah c'est ce que je me dis aussi, mais faut qu'on trouve le cercle. On a un tambour. Bah, on a le. Je sais plus comment. Je sais pas comment ça s'appelle la sorte de guitare. C'est pas un tambour. Un tambour? Oui, il y a des tambours dans le jeu. Quand vous dites batterie à la mesure, c'est pour ça. Est-ce que c'est ça le sanctuaire du crâne? Il y a un tambour. Je sais qu'il y a un tambour, Katanas. Katanas, calme-toi. Passe-moi sur Maxit. Dans le doute, là, je te sens un peu trop chaud là. Je te sens ouais, un peu c'est trop un tambour, chaud. Ça hmm ouais. C'est quoi ça? Ah! Attends, j'entends un oink oink. Alors là, par contre, je suis content quoi. Avec le cochon, mais. Déjà avec deux joues, ils sont pas évidents. Ah, j'en ai un! Rose! Ah, nice, GG. Bim! Je l'ai eu. Ah, il est vraiment rose rose lui, lui. Tout mignon, tout rose. Bon. Alors attends, comment ne pas le tuer en retournant au navire? Oh, il est trop mignon, petit piggy. Il va finir en kebab. J'ai un buveur la dernière fois qui m'a dit, parce que maintenant ça me fait douter, ouais, qui m'a dit que j'avais noyé ma poule quand j'avais pris l'eau. Est-ce que je peux prendre l'eau avec le cochon ou il va se noyer? Mais il te trollait le viewer. Bah, je sais jamais moi si on me troll ou pas, c'est ça qui me rend ouf, c'est pour ça que je voudrais que je banne tout le monde. Oui, il va se noyer. Ah non, il me trollait pas. Oui, tu peux. Non, mais j'en peux plus. Les gens sont jamais d'accord. Tu peux, mais faut faire gaffe. Donc je peux, mais il peut se noyer. Si je, faut que je le garde genre à la surface comme ça. Il peut pas se noyer là. Il pique plus haut. Tu peux le noyer donc fais attention. Ok, donc toi il trollait pas, on peut vraiment noyer la bestiole. Ah ouais. Ah. Tu vois. Et c'est lui qui a dit qu'il trollait après, hein. C'est pas moi qui l'invente. Mais... hein. Ok, et c'est un cochon. Et c'est un cochon à soie rose, c'est bien marqué, hein. Yes. Cochon à soie rose, ouais. Impossible à nourrir. Ah, c'est vrai qu'il faut les nourrir en plus, ces connards. Oh putain. Ah, mais c'est horrible en fait. Attends, est-ce que je peux lui donner du mégalodon à manger? Ah, le sanctuaire du crâne, c'est ça? Ouais, je lui ai donné du mégalodon à manger. Alors. Ah! Ok, il se passe des trucs. T'as fait de la musique, il s'est passé des trucs? Ouais. Quand il commence voilà. À gueuler fort, c'est qu'il va pas bien. Merde. T'es toujours à la marque de la main sanglante sur la côte au nord, combien de volontaires à 10 pas à l'est paraient à retourner la terre? Salut Rémi. Ok. Ouais, vraiment que dalle. Oh putain, je vais mourir moi. Ah non. Je te suis. C'est toi qui as toujours ta deuxième cache, hein. Oh cochon. Mais attends, c'est le rose que t'as eu, hein. Ouais, faut le noir. Ouais. Évidemment, c'est un rose que je crois. Ah, sinon, c'est pas drôle. Et Katana, je t'avais prévenu. À tout à l'heure. Oh, j'ai voulu mettre 10 minutes. C'est de la purge, j'ai eu de la chance. Les gens ne peuvent pas vraiment s'en empêcher, hein. C'est assez impressionnant. Allez, j'ai vu le cochon. Ouais, il me faut la boussole. Elle est où la boussole? Ok, j'aide plus. Allez, là je te mettais 10 minutes. Ah. Là, j'ai pas compris. Là. Hop. Voilà. Si c'est tout ce qu'on te demande de pas aider en fait. En fait, on te demande juste de rien, de pas nous faire chier, tu vois. C'est pas dur, hein. Mais du lent, t'arrives pas à t'en empêcher. Soit unfollow et va voir un autre stream. Soit apprends à la boucler. Si on demande un truc, si tu souhaites y répondre, tu réponds. Si tu souhaites pas y répondre, tu réponds pas. Mais voilà. Est-ce que tu m'as vu te demander de l'aide en mode Katanaz, s'il te plaît, aide-moi? Non. Eh ben, fais pas chier. Bon sang, bonsoir. Les gens peuvent pas s'en empêcher, quoi, ça. Non, c'est un poulet. Donc attends, c'est quoi qu'on doit faire là? On doit trouver une marque. Ah oui. Attends, à la marque de la main sanglante sur la côte au nord. T'as pris la boussole là pour aller au nord? Ah ouais, c'est le nord ici. La marque de la main sanglante. Il doit y avoir une marque dans le sol quelque part, fais voir.
Ah ouais, ou sur un rocher ou quelque chose. Et merci Natnat pour le raid. Ah bah t'as un peu plus de monde aujourd'hui, c'est cool, ça me fait plaisir. Bienvenue aux viewers de Natnat, comment allez-vous? Tu es quand même facilement hérité si t'en si. Ah, attends, un cochon noir. Bah prends-le, go go go. Il est où? Là, là, perdu. Je suis. Là où je suis, là où je suis, là où je suis. Là où je suis. Mets de la lumière s'il te plaît, mets de la lumière. Ah, c'est bon, je vois. Non, Easy, j'aime juste pas de backseat, tu vois. Je sais pas si t'as joué au jeu Easy, mais c'est vraiment un jeu qui donne envie d'être découvert par soi-même, tu vois. Comme Valheim. Rappelle-toi Valheim. Je bannais direct aussi, hein. Yes. Ah mais en plus, le bateau est juste à côté. Donc en fait, tu orientes la cage vers le haut. Donc non, je suis pas d'accord, Easy, hein, vraiment. Je demande juste qu'on me laisse découvrir tranquillement le jeu, tu vois. C'est tout, c'est pas... Et bienvenue au joueur de Nat. Donc, attends, c'est un autre bateau en face. Il y a un bateau juste devant nous. Parce qu'il ah faut... ouais. Bon, on regarde vite fait s'il y a la main sanglante. Est-ce qu'ils viennent ou pas? Non, je vais nourrir les cochons. Vas-y, vas-y, hein, file-lui des trucs, file-leur des trucs. En fait, plus le jeu va me tenir à cœur, Easy, plus je vais avoir envie qu'on me foute la paix. Tu vois l'idée? Ouais, ils ont l'air de se casser. Hein. Se faire couper le pied. C'est vraiment en fait. Plus qu'à trouver la marque. Paye bien, work in progress. Je veux bien, mais je parle surtout sur son deuxième message. Normalement, ah, il y a un capitaine qui vient de pop. Ouais, j'ai vu. Non, mais le jet plus, c'est que. Justement, Easy. Alors, très. Ok, ok. Le jet plus, ça veut dire. Ouais, non, mais ça va, c'était pour vous aider, tu vois. C'est ça, ça veut dire que c'est un message. Allez, éclaté. Et sauf qu'en fait, on lui a rien demandé. Tu vois l'idée? Le jet plus, on dirait le gamin qui boude. Je sais pas quel âge il a, Jean-Michel, hein, mais. Soit c'est un enfant dans ce cas-là, très bien, soit c'est un adulte, j'aide plus, c'est bon, voilà. Non, non, sinon... Ah, en fait, tu veux pas soit ramener les cochons, soit mais, chercher la marque, et moi je fais de l'autre. J'ai voulu prendre un truc, moi, mais... Ah, attends, soit ramener la cochon, soit chercher la marque. Moi, je veux bien chercher la marque. Ah, ok, bah et... je ramène les cochons, là. Tu ramènes la... Tu veilles la quête des cochons? Ok, ok, ok. Bah ouais, comme ça... Oh, bien, vas-y, vas-y. Hein. Il faut aller... Ancient Spire. Okay. C'est où? Je sais pas... L'écrit pas facile à comprendre l'intonation. T'as raison, mais en fait, je préfère ban dans le doute. Parce que. Attends, ça c'est. Attends. Parce que là, je me concentre ici. Je vois ce que tu veux dire, Izzy, hein, mais. Attends, c'est laquelle la quête? Non. Plunder Valley. What? Il y en a encore une autre. Faut trouver une récompense, tu viens trouver les plumes peintes en. Oh là là, mais elle a deux trucs. On a eu encore un nouveau truc à Plunder Valley. Ah ouais? Ah putain. What the fuck, c'est quoi ça? Ah, c'est toi. C'est moi, t'inquiète. Pour expliquer en fait simplement Easy, c'est que j'ai plus à perdre à laisser les gens qu'elle. Et donc un backseat ou à être un peu trop motivé là-dessus qu'à les ban là-dessus. Tu vois l'idée Easy? C'est-à-dire que, admettons que je me trompe, ok? Admettons que je me trompe. Et ben au pire j'ai perdu une personne. Je suis passé pour un connard et j'ai perdu une personne. Je passe tous les jours pour un connard. Je suis pas. tu vois, j'ai pas une fois près. Mais si j'ai raison. J'ai empêché une personne de me gâcher le plaisir. Donc, j'ai plus à gagner en fait à ban temporairement la personne, hein, plutôt qu'à la laisser et au final à gâcher le plaisir. Parce que la seule raison. Alors, justement, Easy, et c'est là où je suis pas d'accord sur. C'est pas une question d'hérité, c'est ça que je voulais apporter. Pas du tout une question d'héritable, au contraire. Dis-toi, ma vie est beaucoup plus simple en ce moment. C'est juste que récemment, depuis même déjà un petit moment, j'essaie d'être encore plus pragmatique vis-à-vis de ma gestion du stream, même de YouTube. Dans le sens où... Tu sais très bien, je te le dis, je ne veux pas dépendre du stream, mais j'essaie de ne pas dépendre du stream. Et dans quelques mois, logiquement, je n'aurai vraiment plus du tout avoir... Enfin voilà, je vais vraiment être encore plus tranquille. Je ne suis... Toi, mon seul et unique but, c'est de passer un bon moment. Si quiconque, maintenant, risque de gâcher ça, je n'ai plus envie d'être patient. J'appelle pas ça l'héritabilité. Non, c'est une sirène, Nat. C'est une sirène qui pourra me ramener au bateau. Tu vois, c'est pas l'héritabilité, c'est plutôt en mode. Je trouve ça au contraire tellement précieux les moments que je vais avoir là, parce que sur des jeux qui vont me tenir à cœur, et on parle même pas encore de New World, Last Ark ou autre, hein, tu vois, qui arrive, mais sur les jeux, qui vont me tenir à cœur, que je ne laisserai absolument personne gâcher ça. Donc, tu vois, c'est pas l'héritabilité. C'est de. J'ai baissé mon niveau de tolérance.
si tu préfères. Mais c'est pas la même chose. Donc, relisons. Ah, que ça te dérange ou pas, ça, après c'est encore autre chose, je m'en fous, mais ça c'est toi qui gères. Mais c'est dans le sens, tu vois, j'ai vraiment... On va dire que la tolérance était niveau moyen, moyen bas, là je l'ai vraiment encore descendu d'un cran, parce que le stream j'aime ça, tu vois, et en fait je me pose, tu sais, c'est comme ce que j'ai repris quand j'ai repris le stream en 2020. La question c'est, pourquoi est-ce que moi je stream? Je stream parce que j'aime vraiment bien faire ça. Qu'il y a du monde, qu'il n'y a pas du monde, c'est la vie. Que je gagne ou non de l'argent, c'est la vie aussi, tu vois. Et je fais ça avant tout parce que bah, je kiffe ça. Et résultat, je n'arrive plus du tout à trouver de bonnes raisons d'être patient avec les gens qui me cassent les couilles. Avant, j'essayais de leur trouver des raisons. Mode, ouais, mais si tu creuses un peu, ces gens ils peuvent être intéressants, etc. Maintenant, je m'en bats juste les couilles. Tu me casses les couilles, ça dégage direct. C'est pour ça, tiens, je vais vous donner une idée, un truc que je ferai peut-être dans le futur. Un truc qui... bloquera un petit peu l'arrivée des nouveaux. Des Théo. Théo, mais Théo 10 minutes. Mais généralement, tout Théo va souvent entraîner. Parce que les gens n'aiment pas être Théo. Les gens pas trop présents n'aiment pas du tout être Théo, ce que je peux comprendre. Tant pis pour eux. Et donc, ça suit souvent. Quand je vois, en fait, je teste souvent, tu vois. Et ben voilà, parfait, tu vois, là, je pars le bal. Tu vois, là, par exemple, Katanaz, j'avais raison. Je l'ai Théo 10 minutes, tu vois. Et ben hop, ban life, pourquoi? Parce qu'il a déjà un follow. Il n'y a pas de problème. Mais donc ça veut dire, toi, je testais hein, en disant ça, et ben je vois que le mec en fait c'était effectivement un backseater de l'enfer et qu'il pouvait pas s'en empêcher. Tu vois l'idée? Et en fait je suis sur le, j'ai l'interface hein, à gauche, à chaque fois c'est un test. Et ça me permet de voir un petit peu comment les gens réagissent. Si les gens réagissent mal à un timeout alors que, timeout c'est à quand? Bah attends, je te montre, Blackpi, rien de méchant. Je peux te mettre minimum une minute. Tu vois, Black Pilami, là, tu n'es pas ban de la chaîne, ok? Tu es juste time out, c'est-à-dire que tu n'as pas la possibilité de parler pendant une minute. Voilà, c'est tout. C'est donc un time out, à contrairement d'un ban, où là, la personne, par contre, ne peut plus du tout, plus du tout parler. Il y a peut-être mes clics. Non, mais tu vois, ça me permet vraiment de voir un peu quoi s'en tenir. J'aime vraiment, vraiment le stream. Et je ne laisserai personne ne nuire ni au plaisir de l'activité, ni au plaisir de jeu. C'est aussi simple que ça. Je vous dis, hein, les seules raisons pour lesquelles les autres streamers ne le font pas, ils sont pas plus gentils, hein, intérieurement, voilà, personne n'est patient là-dessus. C'est juste que eux vont avoir besoin de votre présence pour leurs stats, pour les subs, etc. Moi, vous le faites pas, c'est vous que ça regarde. Moi, je serai là quoi qu'il arrive. Voilà, voilà, allez, voilà. Et merci encore Natat pour le raid. Et désolé pour le verre de Nat, non, je suis pas un mec gentil. Max Sanglante, retry, désolé pour le long laïus. Oh mais fais-toi plaisir, moi je suis sur mon bateau, je fais ma quête. Alors, au sanctuaire des crânes près du pic, le plus haut disparaîtra, donc ça tu l'as fait. Donc à la marque de la main sanglante sur la côte au nord, combien de volontaires à 10 pas à l'est paraît retourner à la terre? Donc ça très clairement, effectivement d'avoir une marque, mais la côte au nord. Parce que tu peux être le plus... Attends. Le problème c'est qu'il faudrait la map. Il me faudrait la map pour ça. Sans la map c'est compliqué en fait. Parce que la boussole, effectivement, elle indique le nord, mais... Trail, il va rendre... Mais c'était pas à côté, hein, il doit aller rendre les cochons. On les a capturés, maintenant il va les rendre pendant que moi je continue ça ici. Pas de soucis, Blackpi, mais c'était sans aucune méchanceté, hein, je pense que tu l'as compris, hein, Blackpi. Hein. Ah, main sanglante. Non, c'est un scorpion. Fuck. Salut le doigt. Let's do it, excuse-moi. Cette question qui vient tout le temps. Bah écoute, au pire c'est sur Game Pass, t'es par toi-même. Je crois qu'on est deux gros glands, hein, Ice. Pourquoi? Parce qu'on a une montre, et sur la montre, il y a l'heure et il y a le jour. Oui, d'accord, ok. Voilà. Et bon, en fait, on avait le temps, mais ouais, parce bon, qu'on bah, je suis parti. Ouh, bah c'est pas grave, hein. De toute façon j'essaie de toujours trouver ça. Let's do it, le jeu il coûte 1€. En fait, quand des jeux ne coûtent quasiment rien, moi ma réponse est toujours simple. Si vous êtes vraiment intéressé par le jeu, vous y jouez. Si vous posez la question, c'est que vous n'êtes pas vraiment intéressé. Tu vois, c'est comme quand on me demande la question sur un free-to-play. Est-ce qu'il est bien et tout, etc. Il est gratuit, il y a juste à télécharger. Là, c'est 1€. Si vous êtes à 1€ près, par contre, dans la vie, vous avez vraiment, par contre, là, des gros problèmes. Hein. Autant, je peux comprendre, 5€, ça commence à être une sub, pour que ça peut être genre 2€ pas ou autre. Si t'es à 1€ près dans la vie, c'est que t'as autre chose à foutre que de jouer. Hein. Alors... Et littéralement 1€ près. C'est 1€. Le Game Pass pour 3 mois, donc
Bon, la main sanglante. Je pense que je suis pas sur la grande côte, mais c'est très compliqué de savoir comme j'ai pas la carte, tu vois. Je sais pas où je suis sur la map. Parce que oui, effectivement, je vois le nord. Ah non, je te vois pas. En fait, le nord, il faut que tu sois dans l'herbe. Dans l'herbe, et il y a une falaise. Bah ouais, c'est pas mal là, mais. C'est un Xbox Game Pass, let's do it. Bonjour, Luzia. Et alors, je pense que tu. Enfonce-toi un peu au cœur de l'île, mais pas trop, tu vois, juste pour remonter sur le sol, quoi, parce que là, t'es dans les cailloux. Alors, ce que je veux dire, en fait, là-dessus, Easy, c'est que, imagine, il y a Jean-Michel streamer ou Jean-Micheline streameuse qui est sur un jeu, ok. Ah, je crois que c'est peut-être ça, la main sanglante, ceci dit. Ça ressemble à un truc sanglant. Bon, ok, attends, dis pas à l'est, c'est par là. 1, 2, 3, 4, 5... Ça doit être là. Attends deux secondes. En gros, l'idée ici, c'est que si tu t'intéresses à un jeu et qu'il est gratuit, bah je vous dis, tu vois. Ça sert à rien de poser la question, tu vois l'idée. C'est-à-dire que je peux comprendre, par contre, qu'une personne. Enfin, je me poserai jamais la question à quelconque streamer ou streameuse d'un jeu s'il est gratos, en fait. Tu vois si tu vois l'idée. C'est pas une assez bonne motivation de jouer un jeu parce qu'il est gratuit, on est bien d'accord. Mais si t'as envie de le tester, bah. T'as juste à télécharger. En fait, toutes les questions que tu pourras poser à Jean-Michel streamer ou Jean-Michel streameuse, ça ne vaudra pas ta propre découverte de jeu. C'est plus dans cette idée-là. Donc la seule réponse, en fait, bah, c'est de jouer au jeu. Parce que ça, c'est une main sanglante. Bon, une main, ça. C'est un soleil sanglant, plutôt. Non, c'est pas une main, non. D'accord, ça empêche pas... Bah oui, mais je vois pas la... En fait, le truc, c'est que cette question, elle est nulle, Zico. Je vais dire pourquoi. Parce que je connais pas tes goûts. Le fait que moi, ça me plaise. Le fait que moi, ça me plaise, ça veut pas dire que ça va te plaire à toi. Attends, je vois où t'es là. Je vais essayer de te guider un peu. Parce que là, je suis. Le truc, c'est que si... il faudrait juste que j'ai la carte. Hein. Avec la carte, on pourrait voir la côte, hein, Mais là, t'es à l'est, hein. Je vais aller en plein nord. On va essayer de trouver un truc pour aller en plein nord. Salut en Cooks, parce que beaucoup tu viens. Oui, mais ça c'est de la merde ça. Pour beaucoup ils ont tort, Zico, ça c'est de la merde ça. On est une référence, je vais être une référence pour personne moi. Faites-vous vos propres opinions, rien à foutre, j'ai pas le temps d'être une référence pour qui que ce soit. Même principe. Vos goûts ne sont pas les miens et mes goûts ne sont pas les vôtres. Je pense que j'ai trouvé, c'était par le. Fallait passer par la petite grotte là. Il se passe quoi s'il y a déjà un bateau à l'avant-poste où je vais, je vais devoir me taper sur la gueule avec eux ou... Pose tes trucs et pose pas de questions. Et merci Maxu Ploflo. Alors. Donc là j'ai une côte, mais je vois pas de main sanglante. Ouais, là je suis vraiment plein nord de l'île par contre, hein, clairement. Alors, non mais c'est pas ça la question ici. C'était pas là. Oh non, non, non! Putain, ça c'est débile ce. Ah, ce bug là par contre il est insupportable. Ah, oh, ce bug débile. Non, c'est pas une mort. En fait, c'est quand t'es bugué, ça te téléporte directement au bateau. Donc là, je suis sur le bateau. Oh non! T'es sur le bateau? Ouais. Oh putain. T'as rendu les trucs, ouais? Non, tiens, attends, viens avec moi. Mais tu fais quoi tout à l'heure? Mais il est où le cochon? Il est plus dans la caisse! Mais t'as fait quoi? Mais. On peut rien confier à travail là, c'est terrible. Hein. Ah bah il est mort, il est là, il est mort. Il y a une viande de cochon par terre. Mais j'ai pas arrêté de le nourrir, JPP hein. On peut rien te confier. Mais regarde l'autre, il est vivant. Mais j'en peux plus. Pourquoi il est mort ce débile? Voilà. Aïe 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 aïe. Bon. Bon bah yes hein. C'est un cochon, c'est lequel qu'il nous faut, c'est le soir rose, ok. J'ai passé ma vie à le nourrir pendant le trajet, hein. On peut juste non mais c'est vrai que je comprends pourquoi la quête de marchand c'est de la merde en vrai. Hein. Alors, comme je l'ai, je l'ai nourri avec des bananes, alors je sais que c'est ce qui est mieux pour un cochon, mais j'avais rien d'autre. Mais un cochon, normalement, ça mange tout. Hein. Alors attends, donc, pour répondre à Easy et à Zico, c'est pas une question d'indécis, vous comprendrez, je suis pas d'accord le chat. Je comprends l'idée d'être indécis dans la vie. C'est gratuit. Tout ce que ça va vous prendre, c'est un temps de téléchargement, tu vois.
C'est-à-dire que pour le cas d'Easy, il dit que ça informe tout sur les jeux. Il n'y a pas de problème. Très bien. Alors, je suis d'accord, par contre, que j'ai jamais dit, je n'ai jamais dit que vous deviez jouer un jeu parce qu'il était gratos. C'est pas ça l'idée. Mais à partir du moment où tu vas voir quelqu'un, que tu lui poses une question, donc que tu es intéressé par le jeu, télécharge-le. Tu vois l'idée? C'est que si tu es intéressé par le jeu, la meilleure chose à faire, c'est le télécharger. Basta. Si t'es pas intéressé par le jeu, le fait que ce soit gratuit n'est pas une motivation suffisante. On est bien d'accord. Ou de plus s'informer, mais une fois que t'as compris le style de jeu, voilà. Alors t'en as quand même validé un. Bon, on va quand même essayer de la faire, hein, écoute. Hein. Il nous reste combien de temps? Casse-toi. Oh putain, je galère avec l'interface. C'est le combien on doit faire? Le 6, hein. Non mais on est large, c'est le 11. Ok, bon bah go, on retourne sur Plunders. Plus on a deux quêtes à faire là-bas, donc bon. Attends, il y a un autre crâne, on va le valider aussi. Tu veux retourner à Thunders, on peut pas aller sur une île plus proche là? Ah bon, on est loin là, je fais gaffe. Ouais, c'est loin. Ouais, le truc proche. Donc c'est pour ça en fait, c'est je vois pas le... Je comprends moi pas la question en fait. Après c'est peut-être, je sais pas, c'est mon côté, mais jamais ça me viendrait à l'idée... Admettons qu'il y a... Oh, j'en sais rien moi, je vois Herman, ou Nat, bon non c'est pas Nat qui me fait découvrir des jeux, mais Herman qui sur un jeu gratuit, le jeu a l'air cool, je vais pas lui demander tiens est-ce que, de quoi il est fait le jeu, est-ce qu'il est bien etc, bah non je télécharge en fait, ça viendrait pas à l'esprit en fait de demander parce qu'on s'en fout, l'avis d'Herman ça va être son avis, il y a des choses qu'on va avoir en commun, d'autres non, mais je m'en fous de son avis Herman en fait, j'en ai rien à foutre de son avis, pourtant j'aime bien Herman, et il est... T'es pas sur notre bateau là, Damien? Ouais, je sais. Tu te balades tranquillou, c'est la teuf? Bah non, je vais faire chier d'autres joueurs. Tu fais le pirate? Je regarde s'ils ont pas des trucs. Très là, tu as coûté. Je sais même pas où ils sont d'ailleurs, eux. Qu'est-ce qu'ils foutent? Non, ils ont absolument rien. Tiens, mets de la viande à cuire, c'est ta spécialité, ça. Ouais, j'avoue. Mets de la viande à cuire, ça va être ton. Ça va être ton. Ton move signature, la viande à cuire. Attends, mais on fait... Ah merde, j'en ai pas sur moi. J'en ai, attends. Alors par contre, j'ai ça. Sur moi. Ouais, vas-y, balance et on se casse. Ouais. Ils ont pas de boulets? Ah si, y'a des boulets, attends, genre, des boulets. Attends, non, laisse juste la viande à cuire, ouais, c'est plus stylé. Laisse juste la viande à cuire. Juste ça. On le regarde ah, dedans, ouais. C'est ça. Et on regarde, on fait rien, on regarde. Pas du tout, là, ça. C'est trop stylé. C'est quoi ce bruit? Je sais pas, ça fait peur. Non, mais c'est pas notre vaisseau? Non. What? Si, c'est peut-être un vaisseau qui a tapé un peu. Si, si. Va voir notre, notre bateau, s'il te plaît. Si, ouais. C'est le leurre, non, regarde, c'est le leurre. Ça, tu l'as lancé ou pas ton truc? Non, non, je l'ai pas lancé. Mais c'est pas possible que ce soit aussi rapide. Ou alors, c'est peut-être qu'ils ont écho. Ah, quand ils déco, ça détruit leur bateau comme ça, c'est tout. Ouais, c'est classe, hein.